Re, c'est bon là? Oui, c'est bon. Ah, désolé, j'ai eu un problème d'internet et en fait, ça a été un peu plus long que prévu ma pause. Donc voilà. Ok. Donc on a tout. Alors, première chose, on va modifier le README. Alors, nous avons ajouté le slider, le tab control. Et le number. C'est pas trié par ordre alphabétique là? Si, 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 c'est bon. Et le number qui sera donc ici. Number box. Hop. J'ai deux parenthèses. Ok. Donc voilà, ta-da-da-da, number box, list box, turn scroller, slider, switch, tab control, etc., etc. Ok. Je vais rajouter aussi ici le number box. MN, donc c'est après le M. Number box. Putain, je peux pas revenir à la ligne. Enfin, je peux pas revenir à la ligne d'avant, c'est n'importe quoi. Donc je vais mettre custom V1. 1.0. Ok, donc voilà, on a notre number box. Ça en fait, c'est ma to-do. Donc voilà, calendar, date picker, group box, list view, tree view, tout ça. Ok, donc ça c'est bon. J'ai mis le truc à jour. Ah oui, mais j'ai pas mis la number box. Donc maintenant, il faut que je refasse la preview avec la number box. Donc je vais devoir supprimer encore et refaire une preview. Donc je vais virer ça parce que voilà. De toute façon, enfin, je sais même pas si j'ai besoin de si c'est utile de mettre la number box. Au final, on peut pas voir vraiment. Vraiment ce qui se passe. Je vais faire integer positive minimum 16 par exemple pour 16 ans en fait. Je fais enter your age et maximum 100 ans. Je sais pas. Tant pis pour le mec qui a le record du monde là, 129 ans, je sais pas combien. Texte, on va rien mettre. Hop. Ouais, mais du coup, il faudrait pas que la valeur par défaut soit 0. Il faudrait que la valeur par défaut ce soit le minimum. Ok, on va juste checker ça, voir un peu comment c'est foutu. Parce que regardez, là, voilà, la minimum que j'ai mis c'est décimal pour un min value. Mais en fait, ce qu'il faudrait que ça soit. Ah non, 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 pardon. Non, il faudrait que le integer value et le float value, ça soit. Voilà, ils soient initialisés. À cette valeur, tout simplement. Ah merde, c'est vrai qu'il y a besoin de. Putain. New property metadata, vas-y si tu veux. Oui, c'est du read-only, donc il faut qu'il soit initialisé, mais. Donc c'est key. Ok. Est-ce que je peux faire un onload? Attendez, j'ai quoi déjà en protected ici? On init, on initialize. Ah non, c'est vrai, j'ai le public. Public override, j'ai le and init ou le apply template. On va regarder lequel a. Alors le unInit il est fait deux fois. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire c'est le un petit trick. Ah merde, pas contente. Texte peut-être. Ok, on voit. Ok, on voit quand il est appelé et ça pareil, on va le mettre ici aussi et on voit quand il est appelé. Ok, c'est parti. Alors, est-ce que là on a le minimum? Oui. Mais
Mais là, vous allez voir que ça va re-rentrer dans la fonction. Donc là, en fait, ce qu'il faut que je regarde, c'est... Ouais, mais texte. Texte, il est vide. Ok, super. Content, il n'y a pas de content. Comment je peux regarder? Parce qu'en fait... regardez. Si je fais continue, là... Hop, vous voyez, il revient là-dedans. Ah! Ah! What? Attends. Le deuxième call à end init. Le deuxième call à end init. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, le deuxième call à end init n'est pas bien en fait. Bon, attends, je vais contrôler 5 ici. Je vais mettre i égale 0 parce que sinon je vais me faire avoir. On va tomber là après que le truc soit init ou je sais pas quoi. Donc on va aller regarder là. Comme ça sera mieux. Sinon je peux le faire sur le apply template. Donc là on est dans le premier, ok, la première fois qu'on a atteint le truc. Donc le number sign, le minimum est 7, le maximum est 7, le name est 7, tout est 7, tranquille, ok. Et là je regardais, je fais continue, hop, je reviens au même endroit, et là le minimum c'est l'ancien, c'est le truc. What the fuck. Du coup je no comprendo. Du coup, ça fait chier parce que du coup, si je mets initialisation ici de mon float value et tout, bah ça marchera pas parce que mon minimum c'est ça et mon maximum c'est ça, quoi. Donc c'est génial. C'est pas ce que je veux. Ok, est-ce qu'il y a un truc, juste, est-ce qu'il y a une property, un machin, une variable, ce que tu veux, qui dit que. Bon, sinon je regarde dans un apply template, hein, sinon hop, voilà, je suis là-dedans. Est-ce que mon minimum est 7? Oui, bah voilà, je le fais là-dedans, comme ça je me casse pas les couilles, et puis voilà. Donc, un apply template, cool, et là je fais simplement integer value. J'ai bien envie de faire un nullable. Comme ça je le mets nul. C'est mieux, non? Ah mais le problème c'est qu'on pourra pas récupérer directement. Bon, ok, on fait ça comme ça. On regarde, on va essayer de faire des trucs après de toute façon, enfin demain je pense. Ok. Bien sûr. En int. Et ça. Float value égale minimum. Le truc c'est que on va faire ça que si number type égal number type point integer number type float. Ok, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, que si le texte est vide, bien entendu. Mais de toute façon la valeur sera 7 si le texte n'est pas vide. Regardez ce qui va se passer. Donc là, je vais avoir la valeur minimum. Ok. Hop. Donc là, je teste. Et il est censé m'indiquer 16. Ah oui, mais non, mais attends, c'est pas sur le... Value where is too large or too small. Ah. Je croyais que le minimum était 7. Mais en fait, ça fait la même chose. Ah non, 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 on est sur l'autre. On est sur le disabled. Pardon. On est sur le disabled, on se calme. Si. Oui, oui, donc c'est normal en fait. Si unabled, s'il n'est pas unabled, on retourne. Vraiment. Ah oui, mais de toute façon, le minimum, il faut le setter, quoi. Ok, on va faire un truc très dégueulasse. Bon, sinon, à la limite, je fais un integer number box et un float number box. C'est mieux, ça? Allez, on est chaud. Non, en vrai, il y a juste un truc.
y a juste un putain d'énum à ACT, quoi, pour ça. Ouais, mais en vrai, la... Ouais, en vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, bon, number box, elle est où? Elle est là. Bah, je suis dedans. Ok, donc. Number box, donc number. Bon, je vais appeler ça une integer box directement. Voilà. Yes. Integer box. Comme ça, j'aurai moins de trucs à faire. Ça, je vais le nommer en integer box. Pff, même si. Ouais, bon, si, ça va faire. Integer box. Integer number box, peut-être? Integer. Oh, je sais pas comment l'appeler. Number integer box? Je sais pas comment l'appeler, putain. Blablabla. Bon, hein. Integer box, on va partir là-dessus. Donc target type, nanana, ça c'est bon. Main window, du coup, bah, il m'a changé integer box, c'est bien. Ok. Ok. Je pense que je vais quand même faire une. Donc ça c'est les subcontrôles et on va aussi faire les pass classes. Ok, alors. Ouais, non, c'est bien. Je sais pas si je l'appelle float ou décimal, mais float box, du coup integer box et float box. Ouais, mais attends, c'est non, je vais les appeler number integer box ou alors text integer box et text float box. C'est un champ libre de nombres. Comment ils appellent ça les autres? Number box input. Sinon j'appelle ça integer input et float input. Ouais, mais input c'est en HTML, c'est pas en WPF. En WPF ça peut être des textbox. Bon. Number integer box. Ou alors number box integer, number box float. Ouais, moi je préfère ça. Number box integer. Number box float. En fait, on va avoir un contrôle générique. Vous allez voir. Donc, number box integer. Non, on va l'appeler number box. Regardez. Yes. Regardez ce qui va se passer. On va faire une abstract class number box qui va être typée, enfin qui va être générique. Pam!
qui va être une textbox, ok? Sauf que le value, le fameux, s'appelle value juste. Donc attendez, je vais renommer integer value en value juste, ok? Voilà. Number type, bah, il n'existe plus. Number sign, on laisse. Maximum, on laisse. Minimum, on laisse. Float précision, ça sera que dans le dans l'autre. Donc on va l'enlever. Donc ici, donc c'est number box de t. Donc il faut que t ça soit donc là c'est type of t, là c'est type of t et là c'est type of t. Vous allez voir. Et donc là ça voilà. Le problème c'est que du coup, je peux pas initialiser avec la min value ou alors il faut que je fasse ça quoi. t.min value et t.max value. Tu vois? Le problème c'est que ils ont pas ça a priori. Donc il faudrait dire c'est dans quel sens? C'est comme ça? Where t décimal? Non, c'est pas ça. Comment on peut dire que je veux une classe C-sharp interface max value min value. Est-ce qu'il n'y a pas une interface? Ah bah voilà, c'est ce que je fais en fait. C'est un numérique up down. OK. Ah, c'est pas mal ça. Read statistique. Ok, on va faire ça. Hein. Donc public, je fais une classe. Number. Where t struct. Et donc public, donc c'est une classe abstraite encore hein. Non, c'est pas une classe abstraite. Public t public statique read only t max value et min value. Salut Polo, comment ça va? Je préfère mettre ça en abstrait du coup. Non, c'est un const. Même je peux pas faire une propriété const, si. Non, ça marche pas. Il y a un peu trop de modifiers là. The type t cannot be declared as const, oui. Pardon. Ok. Alors, qu'est-ce qui me chie là? A static member. Ah. On peut pas le mettre abstrait? Parce qu'en gros, là, ce qu'il faudrait, c'est ça. Voilà.
Et du coup, moi, j'arrive et je fais public class number int. Donc ça, c'est une classe abstraite, du coup. Number int. Public class number float. Alors on va faire un truc, regardez, on va vous programmez quoi? Oh, mais tu peux me tutoyer, hein. On est sur internet, t'inquiète pas. Là je suis en train de faire un thème, donc couleur et tout machin, pour est-ce que je mets float, ouais. Pour une application WPF. C'est en gros les applications Windows. Voilà. Je sais pas si c'est clair. Alors, je sais plus du tout dans quel sens ça marche, ça. Bah non, ça marche pas, ça. The T must be a non-linear type in order to use it as parameter. Nanana. New, voilà. On va faire un constructeur ici. Avec une propriété. Hop. Et bien évidemment les opérateurs, donc implicite opérateur t number de t num, ça fait num.value, et implicite opérateur de number de t, enfin number du coup t value, ça fait un new number. Ah oui, mais je peux pas l'instancier du coup, parce que c'est une classe abstraite. Bon, on va pas la mettre abstraite, comme ça on est bien. Donc voilà, new number de value. Ok, donc a priori c'est censé marcher. On met le constructeur. Oups. Ok, bon, on les colle, on colle tout, voilà. On est comme ça. J'ai commencé à apprendre à programmer en VBNet. Et bah, moi aussi, figure-toi. J'ai commencé il y a plus de 10 ans en Visual Basic. Mais malheureusement, le Visual Basic, maintenant, c'est un langage qui est complètement mort. Microsoft essaie de pousser le C-Sharp à fond parce que c'est leur langage, le C-Sharp. Donc ce qui est tout à fait normal. Donc je pense pas que tu vois beaucoup de Visual Basic en offre, quoi, enfin en poste, en job d'emploi, tout ça. Donc si jamais tu restes sur le Visual Basic, moi je te conseille de switcher sur le C-Sharp. Parce que c'est clairement mieux. Je t'avoue que... ouais. Ok. Where t number de k, j'en sais rien, moi. Merde. Ah oui, non, d'accord, ok. Je vois le délire, parce que du coup là il faut déclarer le k aussi. Il faut faire k. Mais attends, what? C'est chiant, l'héritage. Non, mais je veux un truc tout simple, c'est chiant, putain. Là, je me prends la tête pour rien, c'est horrible.
Yes. C'est juste pour me programmer des petits programmes, c'est pas mon taf. Ok, pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Mais bon, je te préviens quand même, hein, Microsoft, je pense, ils vont déprécater de Visual Basic dans pas longtemps. Donc fais gaffe, ouais. Si t'as plein de projets en Visual qui tournent en Visual Basic, tu pourras plus les faire tourner sur les systèmes Windows, c'est un peu dommage. Vas-y. Must be a non-nullable. Alors, T must be a non-nullable value type. Ah, mais non, il faut juste que je fasse struct alors. Cannot specify both class constraint and the class or struct constraint. Non, alors en fait, non, alors. En fait, non, c'est. Number box de number. Non, ça marche pas comme ça. Mais non, mais where t est un number? Je vois pas. Mais non, mais pas system.number, brutie. Non, ça marche pas non plus. Ah oui, d'accord. Bon, à la base, je voulais arrêter à 19h30, mais bon. Hein? RT. Bah oui, mais non, c'est pas ça que je veux. Hein. Bah non. C'est pas ça que je veux. Bon, à la limite, je mets pas de RT. Le problème, c'est que du coup, T n'a pas de min value et tout. Donc, number box, where T, number. Putain. C'est pas vrai. Comment je peux faire ça, moi? Je mets genre un K. Là, je mets K. Quelqu'un une idée? J'ai pas passé 30 ans là-dessus, quoi. Non, T, number de T, non, ça veut rien dire, ça, on est d'accord. Mais T, number de quelque chose, qu'est-ce que je m'en branle, quoi? Unexpected use of an unbound generic name. Je comprends pas, en fait, le délire, là. Bon, au pire. Bah non, mais non, ça marchera pas, mais putain. Actuellement, je cherche un Discord pour l'entraide à la programmation. Ah, bah j'en avais fait un, mais je l'ai supprimé. J'en connais pas. Enfin, je pense qu'il y en a plein. Hein. Mais je pense que tu vas surtout les trouver en anglais. Moi, je te conseille de chercher en anglais. Tu auras beaucoup plus de résultats que en français. Mais sinon, effectivement, j'avais mon Discord, mais je l'ai supprimé parce qu'il n'y avait vraiment aucune activité. Donc voilà. Bon, je vais pas passer 30 ans là-dessus, là, ça va une fois, non? Je mets pas de where, le problème que je peux pas. Du coup, je peux pas faire ça, du coup. Parce que. C'est débile ce truc, non? En fait, where t est number. De merci pour le follow polo. Merci beaucoup. Je peux pas faire ça parce que ça sert à rien. Putain, sérieux. Bon. Au pire, je fais pas de classe générique. Je fais pas de classe générique et puis tant pis, hein. Ça va être le bordel et tout, bon, vas-y. Donc, on va faire number box integer et number box float. Donc, hop, hop,
Hop, voilà. Donc ça, on s'en fout. Ta-da-da-da. Pouf. Number box, integer. Le where, s'en fout. On remplace tous les t. Donc ça, c'est type of number box integer. Putain, sérieux. Number box integer. Number box integer. Number box integer. Donc ça va être value type of int. Ça type of int. Ça type of int. Ça int. Max value. Ça int. Max value. Property data data. Donc ça j'ai mis positive. Par défaut c'est positive. Ok, ça on dégage, ça n'existe plus, ça n'existe plus non plus. Ça, ce n'est pas un décimal, c'est un int. Ça, ce n'est pas un décimal, c'est un int. C'est un int. C'est un int. La float précision, on l'a fait tout à l'heure. On va la faire tout à l'heure. Ça, c'est plus number box, c'est number box integer. Non, alors, par contre. Qu'est-ce qu'il me fait lui là? Number box integer. Number box integer. Bon. Donc là, on n'a plus de if, nanana, truc, madrin, truc, bidule. Et de toute façon, même si elle a un bled, le value c'est le minimum, point barre. Donc isIntegger, ça on s'en fout. IsPrecision valide, machin. isNumberSend valide. En vrai, je peux simplifier tout ça. Parce que ça, on est dans le cas où c'est un float de toute façon. Alors, comment ça va se passer? Donc je pense que je vais supprimer tout ça. Bon, attendez, je vais juste refaire en fait. Donc si texte c'est le texte d'avant, on met l'offset, ok. Donc en fait si c'est pas valide quoi, donc si c'est pas valide, voilà, ça j'aime bien. Ok, on va tout mettre là-dedans, on va pas se faire chier à faire plein de fonctions, c'est bon. On apply template, nananana. Text before égale text, ok. Donc ça du coup on s'en fout. Ah oui mais la valeur elle doit être... Ah oui mais du coup il faudrait faire en sorte que la valeur soit updatée au minimum quoi. Si on met rien c'est le minimum quoi par défaut. Donc c'est très simple. Text égale new text machin, on s'en fout. Donc on a un bool is valid qui est à false. Ok, si le texte, donc ça c'est après le changement, donc si le texte est nul ou empty, string.isNull or whitespace de ça, donc c'est ce qu'on a, ou alors que le texte c'est un moins, ah mais moins ça va pas marcher, ah, attends, bon, on va regarder tout à l'heure. Donc en fait ce qu'il faudrait faire c'est set la value, et en fait voilà c'est un private set la value, mais quand on la set on change le texte, ok. Donc texte égale value point toString, ok, ce qui fait que ici on ne change plus, enfin du coup on retourne pas le new text. Ok, donc si c'est null or whitespace ou que text égale égale à moins, on va le séparer en deux. Else if text égale égale à moins. Et sinon, else, ça va être le cas courant, cas normal. Donc si c'est nul au whitespace, on set la value à minimum. Voilà. Le texte sera seté aussi du coup, à minimum.
Ouais, ça m'a l'air d'être pas mal. Enfin, oui, non, c'est pas con. Enfin, c'est pas mal du coup. Si le texte est moins et que le number sign est différent de positif, parce que du coup, ça veut dire que on peut mettre des nombres négatifs. Parce que du coup, si c'est 0, ok, bon, on va faire ça en plusieurs. Else if. Donc si number sign. Non, attendez, non, j'ai de la merde, voilà. C'est là-dedans qu'il faut faire ça. Donc si number sign est différent de positive, donc on a le droit de mettre on a le droit de mettre des négatifs, la value c'est le minimum. Parce que si on a le droit de mettre des négatifs, la value minimum est forcément la plus petite. Vous voyez? Parce que par défaut, c'est la int.minValue. Donc c'est moins machin truc. Vous voyez? Soit c'est moins machin truc, soit c'est le truc à CT, le mec. Donc, ce qui fait que. Et sinon. Sinon, on fait en sorte que c'est le minimum. D'accord? Vous avez compris? C'est très bien. Allez, bon, super génial. On est content. Bon, ok. Sinon, s'il y a un vrai texte derrière, donc si, sinon, isValid égale oui, mais le onTextChange, quand on va setter la valeur, il va appeler le onTextChange. Il faut pas qu'il appelle onTextChange. Bon alors du coup, ok, on va pas mettre ça. Alors on va pas mettre ça. C'est vrai que c'est pas ouf. On va laisser le private set, mais du coup on va pas mettre le texte, ok? Donc si c'est pas valide, ta da 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 da, else si c'est valide, le non alors si c'est pas valide, hop. Le texte égale le text before, voilà. Et donc là. Value égale int.parse de texte. Et donc notre isValid, c'est simplement que int point, il n'y a pas genre sign, on peut pas genre récupérer le signe et tout genre super. Donc le signe ça va être quoi? Donc si else if, bon à la limite, bon à la limite je vais utiliser les deux. Bon allez ouais, c'est bon c'est bon. Is the sign number sign valid de, alors non, qu'est-ce que j'ai foutu? Redo, merci. Int minimum value blablabla, retourne true truc. Ça on peut le faire en une ligne, on est des malades. Donc number sign égal égal number sign point positif et value supérieur égal 0 ou number sign égal égal négative et value inférieur ou égal à 0. Ou number sign égal égal number sign point both. Super. On l'a fait en une ligne. Magnifique. Et du coup, on peut faire en une ligne. Yes, on adore les one-liners. Hein. Ici, hop.
Donc ça dégage. Donc tout ça, ok. Hop, hop, et hop. Minimum, super value et value à maximum. Ok? Voilà. Bon, c'est une petite condition, hein, c'est pas très. Alors par contre, la value du coup n'est pas mise à jour. Donc, il nous faut ici une value. Allez, allez, voilà, voilà. Ici, on va faire un int.tryParse de texte dans la value et tout ça. D'accord? Ce qui fait que maintenant notre value est 7. Et on peut mettre la value ici et la value ici. Non, la value, pas la value. Value. Yes! Bon, on va quand même faire un peu de ménage, enfin de voilà, on va de propreté. Donc ça c'est le gros ou de machin. C'est optimisé à fond. Voilà, c'est très lisible, MDR. Bon. Bah voilà, du coup on n'a plus rien à faire, a priori. Ça dégage. Voilà, c'est très lisible, non? C'est parfaitement lisible. Tout le monde comprend. Tiens, d'ailleurs, il n'y en a qu'un là. Deux. Pardon. Et que la value est dans le range, machin. Oui, donc non. C'est l'inverse. Value égale value. Voilà, nickel. Voilà, bon, c'est comme ça. Voilà, j'utilise link. C'est ça. Ah, il last. Wow. Yes. Quelle utilisation de link. Très bien. Bah, très bien. Donc c'est positif par défaut. Ouais, je sais pas si c'est bonne idée. On peut mettre both. Both par défaut. Ouais, allez, si on précise pas, a priori, c'est que c'est beauf, quoi. Hop, beauf. Et donc la value, elle est setée manuellement. On ne peut pas lui mettre une valeur de base. Donc il faut forcément ici que la value soit setée. Ok. Bah maintenant, il suffit de copier-coller la classe, de l'appeler float. Ou décimal. Bon, a priori float ça va suffire, hein, c'est bon. On n'est pas à ça près. Et de remplacer ici ça par float. Ah oui, mais du coup attends, il me l'a remplacé partout. Regardez, regardez, regardez. Yes. Yes. Ok. Non, non, juste dans ce fichier. D'ailleurs, j'ai déjà le truc. Juste dans ce fichier, s'il te plaît. Numberbox integer, numberbox float. Et je replace aussi tous les instants de int par float. Bien entendu. Et tout va bien. Et du coup, tout est bon. Voilà. Bon, il faut juste rajouter le float précision, bien entendu. Qui sera independency property, de register, de float, précision, j'ai oublié le property. Hop. Qui sera de type of int, type of number box float, et qui sera par défaut A2. Voilà, bon, 2 c'est bien. 2 c'est pas mal. Public int. Float précision get int de get value de float précision property set value de float précision property value ta 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 soin de soin.
Text before number float, ta 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 ta, bah voilà, tout est fait. Il manque juste un truc, c'est vérifier. En vrai, on s'en fout de la précision. Un float, c'est un float, et puis c'est tout. Hein. Ouais, fuck. Comme ça, voilà. Comme ça, voilà, ces deux classes sont strictement identiques. J'aurais pu faire une classe mère, mais j'ai pas réussi, donc on verra ça plus tard. Ok. Bon, a priori, tout est bon. Tout est bon, tranquille. Très bien. Donc, il faut aussi que je fasse integer box, number box integer, que je copie, number box float. Donc, number box integer, il va changer le type number box integer. Enfin, il va baser le type machin. Ok, ça c'est bon. Textbox, on l'a. Color, on n'en a pas besoin. Tout est good. Float, ça va être exactement pareil. Ça, on n'en a pas besoin. Et ça va être number box float. Ok. On compile, voir déjà ce qui nous merde. Donc, ça, qu'est-ce qu'il me fait ? An occurrence while finding the resource number box integer. Je vais essayer de refaire mon programme en C#. Et bah, c'est une très bonne idée. Et si tu as des problèmes, bah, n'hésite pas. Hein. Je peux t'aider. Je fais du C# depuis plus de 10 ans. Donc voilà quoi. Mais vu que j'ai fait du Visual Basic, je saurais te dire les équivalents en C# si jamais tu as besoin. Ok. Donc non, enfin c'est pas l'erreur principale ça en fait. Là, mon truc il compile pas parce que c'est une autre erreur. Donc number flux machin n'existe pas, ok, c'est d'accord. One of two. Ok, déjà on va régler ce problème là. Integer. Number type n'existe pas. Voilà. Ok. Alors. Is not usable as an element because it's not public or defined public. Parameterless or a type converter. Ah. Programme de traduction de jeu. Ah. Traduction de jeu. Ok. Ok, ok. Ah bah oui. J'ai laissé le petit abstract des familles. Donc oui, carrément. Et tout compile. Bam. Ok. Main window. Donc ça, je vais appeler ça numberbox integer. Je vais la mettre sur la même ligne, hein, je vais pas me faire chier. Donc je vais faire un stack panel. Ou alors sinon, regardez, je fais numberbox integer. XXX. Number box quelque chose quoi. Ça va être lisible, non? Donc placeholder ça va être integer ici. Et là je vais mettre un float. Ça on peut virer. Il y a plus de grille, donc ça on peut virer. Paf, paf. Ça ne va pas. Parce que pourquoi ça ne va pas? Can only base a style with target type that is base type number box float. Qu'est-ce qu'il me raconte? Number integer based on textbox. Ok. Number box float based on textbox. Ok. Ça hérite de Xenon Dark. Ok. Ça hérite de Xenon Dark. Ok. Donc, il me raconte de la grosse merde. Merci. Négative, on va mettre minimum moins 98,53 par exemple. Et le maximum, ça va être 0. Moins 1. Allez. Alors.
Est-ce que tu compiles, mon petit gars? Oui, tu compiles. Alors, pourquoi tu me sors une erreur qui n'existe pas? Tu veux te battre, c'est ça? Toi, tu veux te battre, c'est ça? Ok, on n'a pas le placeholder. Bon. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas le placeholder? Pourquoi on n'a pas le placeholder? Pourquoi? Bah, le placeholder en fait n'existe plus dans aucun. Même là, il n'existe plus. J'ai merdé un truc là. Ah, je sais. Parce que il n'est pas au-dessus. Regardez. En fait, c'est très simple. On va aller dans la textbox ici. Voilà. Le placeholder, il est là. On va le bumper. Panel.zindex. On va lui dire 1. Et le content host. Ou alors, on le met par-dessus. Parce que du coup, j'ai mis le itText à 0. Donc, on peut le mettre par-dessus, en fait. Complètement. Complètement, complètement. Voilà. Ça sera mieux. Et donc, on a notre magnifique placeholder de retour pour nous jouer un mauvais tour. Donc, ça marche toujours. Hein. Donc là, je peux rentrer n'importe quoi. Et là, je peux rentrer que des nombres. Ah, ça ne marche plus. Ok, et là, je peux rentrer que des floats. Ouais, ça marche plus. Ok. Ah, si. Ah oui, menace, du coup, c'est négatif. Ok. C'est quoi déjà le minimum? C'est que 38,53, un truc comme ça? Ouais, c'est ça, 53. Bon bref, et pourquoi là du coup ça marche pas? Déjà je suis pas censé pouvoir mettre un moins, mais... Ok, alors, number, donc number float ça fonctionne, mais que pour les négatifs. En fait, les deux fonctionnent, mais que pour les négatifs. Si int.try part de texte out value, et ça c'est... Ok, on va aller là. Hop, 1. Alors, donc value de 0. Donc, enfin, là il va nous renvoyer 1. Donc value égale 1. Ok, number sign. Number sign c'est positif. Oui, donc et value supérieur à 0. Oui, égale. Oui, donc ça c'est true. Ou nanana. Et minimum value, non. Et maximum, ah oui, merde, c'est. Bah oui, comment j'écris? Comment j'écris 16 si je ne peux pas écrire 1? Oui. Ah oui, tout à fait. Alors, en fait, il faudrait que la valeur par défaut... Ouais, mais non. Voilà, c'est ça le problème. Bon, ça fait chier, mais je vais devoir arrêter. Ah putain. On était si close de sortir la 1.1 là. En fait, il faudrait faire en sorte que ce soit rouge ou je sais pas quoi, enfin bref. Bon, fuck it. Je continuerai demain. Voilà. Bon. Bah très bien, j'ai fait ce que j'ai pu. Très bien, très bien. Donc il y aura ça à faire demain. Très bien, très bien. Bon. Bah je vais y aller du coup. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Je restreamerai demain, a priori. Sauf cas extrême de je ne sais quoi. Mais a priori, je streamerai. À partir donc de demain, 11h. 10, 11h. Ça dépend à quelle heure je me lève. Mais voilà, dans ces eaux-là. Ok, et on va continuer ça. On va essayer de terminer la version 1.1 demain. Sûr à 100%, et comme ça on va pouvoir continuer la loop station après. Voilà.
tout simplement. Merci encore à tous d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Ciao.